Hitchcock et Truffaut abordent aujourd'hui la période du cinéma parlant qui s'ouvre pour le cinéaste anglais avec une superbe réussite, Blackmail, qu'il tourne en 1929. Conçu au départ comme un film muet, Blackmail sera en cours de route sonorisé. C'est le premier film parlant tourné en Angleterre. Mais les débuts du parlant sont aussi pour Hitchcock une période de frustration pendant laquelle le cinéaste doit accepter de porter à l'écran des pièces de théâtre au sujet peu cinématographique. Pourtant, durant le début des années 30, Hitchcock ne cessera d'expérimenter, comme le prouve le fascinant Murder dont il discute ici avec Truffaut. The next picture was the next Hitchcock picture. Mais le film qui a suivi était le prochain Hitchcock, a été le Hitchcock. Blackmail. Oui, Blackmail. Oui. But I'm trying to think when the of course my experiments with the Blackmail picture. Avec it le was started as a silent picture. Ça a été commencé en comme filmé. C'est ça, oui. Et certaines scènes ont été retournées après and pour le son. And certain scenes were then shut over again for sound. Well, the interesting, slightly romantic side of that. Ce qui est intéressant et un peu romantique. Is that I was asked to prepare the last scene only, last reel in sound. La dernière bobine en son. Because in those days when talk first came in, they used to advertise it as part sound, part talk. And they made a novelty of the sound starting in the middle of the picture. Nouveauté du fait que le son commençait au milieu du film. Ah oui, oui. You see, when I knew that they were going to make the thing into sound. I was shooting quand j'ai silence. Su que on allait faire un film sonore. I prepared in my own mind j'ai préparé to make dans the ma whole tête film de faire tout le film sound. En sonore. And I knew where certain talking scenes et went in. Et je savais où certaines scènes parlantes allaient entrer. Mm-hmm. But of course it to me, it, that shows today, if you looked at the film today, it's still a silent film. C'est encore un film muet. And practically with the people speaking titles. Avec les gens parlant des titres. Ah oui. It looks like that. Ça ressemble à ça, si vous le regardez maintenant. Je l'ai vu à la cinémathèque, mais je ne sais plus si c'était la version muette ou parlante. Il y a deux versions. There are two versions, aren't there? Possibly, yes. Possiblement, il oui. Me semble que je l'ai vu muet. It seems to me I saw the sound. Ouais. Il y avait surtout une scène au piano qui a été refaite avec le son, non? Piano scene, I think, that was remade with sound. Well, the whole thing was sound at the end. Ah, mais à la fin, tout a été sonore, oui. Ah oui. Mm. Sure. Because I had that famous use of sound when the girl has committed the murder. Quand la fille a commis le meurtre. And she goes home and there's a scene at the breakfast table of her family. And there's a talkative neighbor from next door. Et une voisine très bavarde d'à côté. And the neighbor is talking about the murder. Et cette voisine discute le round the corner. Meurtre. And what a terrible thing to kill a man in the back with a knife. Et quelle terrible chose c'est que de tuer un homme dans le dos avec un couteau. The woman said if I were committing a murder, si c'était moi qui vous I'd hit him over the head with a brick, but I wouldn't use a knife. Mais je me servais pas d'un couteau. And as her dialogue went on, et it became a sound of talk, and the talk began less parole. Clear, except moins one moins word, clair, que knife. Excepté pour une parole qui était couteau. Knife. Oui, oui, oui. And I played it on the girl's face. Et je le jouais sur le, je jouais and sur la neighbor, fille. And it dies away. Et it goes a long way away, but all you can hear is blah, blah, blah. Knife. Knife. On entend que des sons knife. Vagues et couteau, couteau, couteau. Knife. Knife. Couteau. Knife. Suddenly the voice of the father. Soudainement la voix de son père. Pass the bread knife, would you please, Alice? Passe-moi le couteau. Passe-moi le couteau à pain, tu veux, Alice? And she has to pick up the same knife she's just committed the murder. Et elle doit ramasser le même couteau avec lequel elle vient de commettre le meurtre. But it was the contrast of the to the normal voice coming back. Entre les deux, à la voix normale qui revenait. That was the first experiment with sound. Ça, c'était le premier expériment avec le son que j'ai fait.
Sinon, vous étiez content du film, du scénario? Aside from that, were you pleased with the script, with the scenario? It was a simple yarn. It was a simple story. Simple. I never really did it the way I wanted to. Je n'ai jamais vraiment fait comme je l'aurais voulu. I was probably using the lodger form. Probablement, je me servais de la forme du lodger. I was showing in the first reel. Je montrais dans la première revue. The technique of an arrest. La technique d'une arrestation. The detectives go out. Les détectives sortent. The little drama, how they pick up the man. He's in bed and he nearly has a gun. They get him. Il a un fusil. They put him in the police van. On le met dans la They le take wagon. Him to the police station. On le met au commissariat. He's charged. He's interviewed. His fingerprinted, all in great detail. Empreinte digitale, and tout he's en grand photographed, métal. You know. Prend sa photo. And finally, he's put in a cell. On le met dans une cellule. And locked up. And then I follow the two men, the two detectives. Et ensuite, je suis and they go to the qui men's room. Qui vont au cabinet. They wash their hands. Ils se lavent les mains. Just as though they were two. Deux employés de bureau. It was just the day's work. C'était simplement une journée de travail. But I made it great detail. Everything je l'ai did, fait en grand détail. Après, vous avez fait une ou deux séquences dans un film musical. One or two sequences in a musical picture. Not much. Estricoline. Non. Et après un film, Juno... Juno and the Peacock? The Juno and the Peacock. That was made with Irish players. I remember, again, by this time, I was feeling the need... À ce moment-là, je ressentais les besoins... After the Blackmail picture... Après le film that de I Blackmail... Should contribute... De contribuer... In terms of pure motion picture form. Dans le cinéma pur, dans la forme du cinéma pur. Even though it was talk. Bien que and I remember having this Irish play. Et je me rappelle que j'avais cette pièce irlandaise. Juno and the Peacock. And going over it again and again. Et le parcourant. Seeing whether I could retell it. Le parcourant interminablement form. Pour voir si je pouvais le raconter en forme cinématographique. But I couldn't do it. Mais je n'ai pas pu le faire. It was a play that took place in one room. C'était une pièce qui s'est déroulée dans une seule pièce. The I was it made not as from a creative standpoint. D'un point de vue créatif. It was a bad experience for me. C'était une expérience mauvaise pour moi. I made the film. I used most of the Irish players in J'ai fait le film. Je me suis servi de la plupart de l'équipe des Irish players, qui est une troupe, la troupe. For my own taste, I liked the story and the play Pour very goût, much. Pour mon goût à moi, j'aime l'histoire énormément. It contained a lot of humor and tragedy beaucoup together. Beaucoup d'humour et beaucoup de tragédie mêlées. And I photographed it as much. Imaginations I Avec could, autant d'imagination que je pouvais, mais pas trop. But the film got tremendously le film a été good notices. A reçu des notices excellentes. And I was ashamed. Et j'avais réellement honte. Because I hadn't contributed Parce anything. Que je n'avais pas contribué grand chose. They were praising this film. Ils faisaient des compliments à ce and, film. I felt that, I was a cheat. Et je sentais que j'étais malhonnête, que je volais quelque chose. They're praising the work of Sean O'Casey. Il faudrait peut-être parler un peu de Sean O'Casey. Oui, parce que c'était les compliments because à la pièce. Because it was actually, you felt that the compliments were being, were owed to Sean O'Casey rather than to you. Well, naturally, because there was nothing like I tried to do something with it. J'ai tâché d'en faire quelque chose, mais... But I realized I had to stay with the play. I saw the pictures as here, but I simply didn't understand it. Parce qu'il n'y avait pas de sous-titres. But I told him it would be interesting to have you say a few words about Sean O'Casey, because in this country, of course, he's known and... I thought, did you work with him?
Yes, he did a couple of little lecture scenes for me. Oui, il a fait le. Parce que Sean O'Casey aux États-Unis est très apprécié, très admiré. Oui. À propos de ses scrupules par rapport à O'Casey. In connection with your scruples towards O'Casey. Je pense que ça explique aussi beaucoup de choses de votre œuvre en général. I think it explains a great deal about your work in general. Et surtout la répugnance, par exemple, à adapter des chefs-d'œuvre de la littérature. Reluctance to adapt masterpieces of literature. Il y a un très grand nombre d'adaptations. There are many adaptations. Mais plutôt d'œuvres populaires et récréatives. But rather popular works. Et créatives, vous avez dit? Récréatives, enfin. And entertaining works. Rather than masterpieces of literature. Alors que le contenu de vos films, whereas the contents of your films, montre que vous feriez mieux que n'importe qui. You would more than better than anyone else. Des adaptations, par exemple, do adaptations de Dostoyevsky. Of Dostoyevsky or. Mm-hmm. Yeah, but that's somebody else's work, you know. Oui, mais c'est l'œuvre de quelqu'un d'autre. C'est ça. Justement. Oui. You know, to me, there's very little left of Daphne du Maurier's birds. Il y a très peu qui reste des birds de Daphne du Maurier. C'est ça. That's true. I mean, it isn't that I want to change the story. Changer l'histoire. You know, they often talk about people in Hollywood, you know, on parle beaucoup, or Hollywood, filmmakers in general, distorting an original piece of work, l'original. And so on and so forth. But my intention is it would never do that. Ce n'est pas de faire ça. I just take the basic idea of Daphne du Maurier. I only read the story once. I couldn't tell you what it was about today. Je n'ai lu son histoire qu'une fois. Je ne pourrais même pas vous dire de quoi il s'agissait. And I'm so content just to take that basic idea and never look at it again. De prendre cette idée de base et ne jamais plus regarder le machin. Et d'en faire un film. You know, it astonishes me. When, vous savez, ça m'étonne. Filmmakers, quand les cinéastes take a piece of work, a novel, prennent une œuvre, where un the roman, novelist is probably his whole life. Pour le romancier, c'est toute sa vie. It's taken him 3 years to write, or 4 years to write. Quatre années. And then then it's adapted. C'est adapté. And made into a movie by technicians film, or by good craftsmen. Par des artisans de qualité. But somehow, when they go up to pick up their Academy Awards, et je ne sais pas comment, mais quand ils vont à l'Académie, aux Oscars pour les récompenses, the poor life of the man, la vie de l'homme, fades into the background. Semble dissoudre dans le background. On n'y pense plus à l'homme qui a fait. Oui, bien sûr. You know. Oui, c'est ce qui explique que vous ne ferez jamais Crime et Châtiment. That explains perhaps why you would never do Crime and Punishment. No, that's probably wouldn't be very good either. Probablement, ce ne serait pas très bon de toute façon. Ah, pourquoi? Well, Crime et Châtiment, would be I probably couldn't live up to the je ne pourrais réellement pas me mettre à la hauteur creative standards of the original des author. Créatif de l'auteur original. Because after all, parce qu'après tout, don't forget if you take Dostoyevsky's novel, n'oubliez pas que si vous prenez there are many, many words in it. Il y a beaucoup, beaucoup de mots là-dedans. And to really express that cinematically. Et pour exprimer ça d'une façon cinématique, you'd have a 5 or 6 hour film. Vous auriez un film de 5 à 6 heures. If you're going to substitute the language of the camera for the written word. Si vous allez substituer le langage de la caméra pour la parole écrite. Oui, si. Oui, je sais pas pour.
Je trouve que c'est vrai pour l'idiot ou pour les frères Karamazov, mais... I think it's true for the idiot or the brothers Karamazov, but... Il semble que Crime et Châtiment... I think that Crime and Punishment... C'est vraiment le roman le plus hitchcockien du monde. Is really the most Hitchcockian novel in the world. Même pour ça a duré. But it's been made, hasn't it, once or twice, hasn't it been made? Ça a été fait une ou deux fois, non? Oui, dont une fois par Joseph von Sternberg avec Peter Lorre. Once by Joseph von Sternberg with Peter Lorre. Et d'autres fois... Oh, over at Columbia, yes. Oui, I at Columbia. Peter Lorre told me about that, yes. Mm. Alors, il y a une autre pièce après qui a suivi, qui est Murder. Afterwards murder. There was Murder. Yes, well, now that was interesting. Ça, c'était intéressant. Did you see that at all? Yes. Did you see Murder? Je l'ai vu. Je l'ai vu, oui. I tried to stylize. J'ai tâché de styliser. A jury persuading. Un juré persuadant. A final juryman un des jurés. Agree to the verdict of guilty. À être d'accord pour le verdict de coupable. And I stylized the voices. Et j'ai stylisé les voix. Hammering away at him. Qui martelait, qui le martelait. We were very conscious in those days about the use of sound. Nous étions très conscients à ce moment-là de l'utilisation du son, des façons de l'utiliser. And its effect on individuals. Et l'effet du son sur les individus. That was with the circus ending. Ça, c'était avec une finale de cirque. Where the guilty man hanged himself from the trapeze. Où le coupable s'est pendu d'un trapèze. Oui, oui. C'était une histoire d'homosexualité. It was a story of homosexuality. Yes, sure. Mm. C'était assez audacieux même comme thème. It was rather daring as a thing, wasn't it? Yes, it was, yes. Oui, c'était audacieux. Enfin, c'était déguisé en même temps. But it was disguised at the same time, ambiguous. Yes, it had the original book. Le livre original. And I put it in the film, borrowed from Hamlet. Emprunté de Hamlet. The play within the play. Parce qu'il y avait la pièce dans la pièce. Ah oui. Where they invited the murderer up to read. Où ils invitaient l'assassin to read à venir a play. Lire une pièce. Ouais. And the play was a dummy play. Et la pièce était une pièce describing the murder. Décrivant le meurtre. And he had to read this, and il they were fallait watching qu'il lise, him et il le regardait pendant qu'il lisait. He showed any guilt, pour voir Hamlet, s'il manifestait sa culpabilité. Just as a king in Hamlet, comme le roi dans Hamlet. Mm-hmm. It was a film about the theatre. C'était un film à propos du théâtre. And very indigenous to the theatre. It used the theatre all the time. Particulier au théâtre, ça se servait constamment du théâtre. That was my first experience of bilingual pictures. Ça a été ma première expérience dans le film bilingue. I did two versions, an English version and a German version. J'en ai fait deux versions, une version allemande et une version anglaise. At the same time. Simultanément. And it's an interesting sidelight on the problems of a director directing in another language. Dirigeant dans un langage qu'il ne connaît pas. I had been working in Germany. J'avais travaillé en Allemagne. And I could speak the language. Et je pouvais parler la langue. In a fairly rough way, enough to get around. Assez grossier, enfin suffisamment pour me débrouiller. And we had Herbert Marshall, the English actor, was in the lead. Et l'acteur britannique Herbert Marshall était l'acteur principal. And the leading German actor was a very famous man, apparently called Alfred Abel. Et l'allemand était un acteur très connu qui s'appelait Alfred Abel. And the heroine was a woman called Olga Sheshova. S'appelait Olga Sheshova. And it was designed technically
that I would set up and light a scene with the English cast, que je ferai les scènes take them légères out, avec l'équipe anglaise, substitute the other actors, et ensuite substituer les autres acteurs, and do the et refaire the scene la over again in German. En allemand. I had a German advisor. J'avais un consultant allemand avec moi. When I went to Berlin, quand je suis allé à Berlin, to discuss the script, pour discuter le script, they wanted to make many, many changes. Ils voulaient faire beaucoup, beaucoup de changes, changements, which I resisted. Auxquels j'ai résisté. Wrongfully, of course. Du reste à tort. I resisted it because I would be not making the same film in English and German. Je ne pouvais pas faire le même film en anglais et en allemand. Two different films. J'aurais fait deux films différents. Ouais. Which economically was not the intention. Ce qui, dans le terme d'économie, du financement, n'était pas leur intention. Ouais. So I went back to London with the script unchanged. Avec le script non modifié. And I started and made the picture. Et j'ai commencé à faire le film. Well, the first thing I encountered, la première chose que j'ai rencontrée, was that I did not have the ear for the German language. Je n'avais pas l'oreille pour la langue allemande. I could say Achtung. Je pouvais dire Achtung. Aufnahme, los, and all the words required to direct. Tous les mots pour diriger. Or to tell the people what to do. Pour dire aux gens ce qu'il fallait faire. But I had no ear for a dialogue that I did not understand. Mais je n'avais pas d'oreille pour un dialogue que je ne comprenais pas. I was completely out of control. Je ne contrôlais pas. This was all something I never understood. C'était des choses que je ne comprenais pas. I didn't understand the German idiom. Je ne comprenais pas l'idiome allemand. Now, I don't want to discourage you by what I'm going to say now. Je ne veux pas vous décourager parce que je vais vous dire maintenant. But now you can understand. Maintenant vous pouvez comprendre. Why Claire? Pourquoi Claire? Du Vivier. And Renoir. Et Renoir. Did not succeed here. N'ont pas réussi aux États-Unis. They don't have the ear. Ils n'ont pas l'oreille for the words, pour les paroles or the idiom. Ou l'idiome. Strangely enough, et curieusement, the Germans have done better. Les Allemands Lubitsch, ont fait mieux. Lubitsch, Billy Wilder, Billy Wilder. One or two, not many. Un ou deux, one pas or beaucoup. Murnau, l'Aurore aussi. The Hungarians have les been all right. Ouais. The Hungarians have done well. Ouais. But it's a strange thing. And only my own experience. Oui, c'est une chose curieuse, et simplement ma propre expérience me permet. Tells me what they must have felt like here. Me fait comprendre comment ils ont dû se sentir quand ils sont venus ici. Oui. Oui, c'est juste. Yes, Renoir un peu true. Plus quand même. Avec Renoir, of course, was able to do more. Southerner, qui était bien. Well, he did the Southerner. The Southerner. What else? Quoi encore? Woman on the Beach. Ah, oui, il y a eu beaucoup d'ennuis sur celui-là, mais je trouve assez beau, oui. Well, there was much trouble with that, but I think it was rather good. Southerner was the only one that was really good. The Southerner, what was that picture on India? The River. The River. Ah, bah, oui, that's England, made in England. C'est l'Angleterre. Ah, oui, sein, c'est l'Angleterre. Oui, oui. Au Fuls, enfin, au Fuls, il était viennois, il était autrichien, mais il a... Au Fuls was Viennese, Austrian, but it worked, he went over here, en Amérique? Oui, oui. Who? Ophuls, Max Ophuls. Max Ophuls, oui. He worked on this lot. Yes, he worked. Yes, he worked. Yes, yes, but the feeling was one of great helplessness. Mais il y avait un sentiment d'impuissance. Oui. Je crois que les cinéastes européens... I think that European filmmakers... amènent dans le cinéma américain... bring into American cinema... quelque chose... que les cinéastes nés en Amérique ne something peuvent pas amener. That the American film, that filmmakers born in America cannot bring. Qui est un regard un peu critique sur l'Amérique. A rather critical look upon America. Et qui est très intéressant. And which is very interesting. Non, vous ne trouvez pas? Don't you think so? Des choses qu'on ne trouvera pas chez Hawks ou chez Ford. I mean things that you will not find in Hawks or Ford.
mais qu'on trouvait justement effectivement chez Lubitsch ou chez Billy Wilder. But what you would find with Billy Wilder and Lubitsch. Qu'on trouve souvent chez vous aussi. And in your films as well. Qui sont des notations critiques. Vraiment. And which are really critical annotations, footnotes rather. Yes, well, of course they don't have the same type of humor that we bring from Europe. Oui, évidemment, ils n'ont pas le même genre d'humour que celui que nous apportons d'Europe. You see, for example, the trouble with Harry. Par exemple, le trouble is strictly an English approach. Strictement une approche anglaise. To the humor of the macabre. À l'humour du macabre. You see, you never hear those kind of jokes in America. Vous n'entendriez jamais ce genre de blagues en Amérique. You know, for example, although I wanted to prove by the trouble with Harry, but it never got out far enough that the American public could appreciate the same humor if given them. And with audiences, they did. Et dans les audiences, s'il leur est donné, et dans les audiences, ça a marché. You never hear jokes like this in America. Vous n'entendez jamais, par exemple, des blagues comme celle-ci en Amérique. There was a very famous English comedian who was killed in the Il last war. Il y avait un comédien britannique très connu qui a été tué dans la dernière guerre. And at the cemetery, et au cimetière, at his funeral, à son enterrement, were a lot of other comedians. Il y avait beaucoup d'autres who had come to pay their last respects. Qui étaient venus pour payer leur dernier respect. Among them was a very, very old comedian. Parmi, a very old comedian. Un vieux comédien. And next door to him was a very young et à côté one. De lui, un très jeune comédien. And as the at the graveside, the et coffin is going près down. Du tombeau pendant que le cercle descend. The little one turned to the old one vieux, and said, "How old are you, Charlie?" Quel âge as-tu, Charles? And the old boy said, "Oh," he said, "I'm 89." Oh, mais j'ai 89 ans. The young one said, "Hardly seems worthwhile going home, does it?" Il dit, ça vaut à peine la peine de retourner à la maison. Oui, oui, c'est bon.